Bonjour à tous, Serfioft. Aujourd'hui, on se retrouve sur Naruto Blazing avec le nouveau Blazing Fest sur la Jap avec Pain. Enfin, un bon petit Pain, sa mère. Comme vous pouvez le savoir, on l'a eu en Red Impact et c'était pas ouf. On était un petit peu déçus, hein, malgré tout. Bon, après, il était un petit peu long range, donc à la limite, ça, j'apprécie juste pour ce niveau-là. Mais là, un nouveau Pain vachement intéressant. Je ferai une analyse plus tard. En plus il est heure, donc là avec des bons petits persos qui l'alentourent, ça va être vachement sympa je pense. Je vous avais promis un live le jour il me semble sur une ancienne vidéo, je suis désolé j'ai pas live ce week-end, voilà. Je suis désolé, j'avais vraiment envie de faire un truc, accomplir une chose personnelle. D'ailleurs je n'ai pas toujours réussi mais je suis peut-être sur le point de le passer ce soir après cette vidéo d'ailleurs. Mais là il fallait vraiment que je la filme et tout, et d'ailleurs autant vous dire que quand cette bannière est arrivée ce matin, que je suis arrivé, j'ai fait. Mais la bannière n'était pas censée arriver la semaine prochaine. J'étais vachement étonné, je pensais pas qu'elle allait sortir le 19 septembre. Je pensais qu'elle allait sortir une semaine après. Mais enfin bon, la petite anecdote. Donc, on va regarder les steps par rapport à cette bannière. Donc, nous avons donc les deux premières, comme d'habitude, un peu à 40. Alors par contre ce qui est vachement intéressant c'est pour ceux qui n'ont pas réussi à voir par exemple Sasuke Rinnegan ou Naruto Rikudo, c'est vachement intéressant parce que là on peut les gagner maintenant, plus tous les autres personnages qui vont avec, donc là franchement c'est cool. Alors je m'excuse personnellement parce que normalement j'aurais préféré aller jusqu'à la 25, mais autant vous dire que ce matin j'étais à 80 perles et que j'ai farmé vraiment comme un gros porc pour arriver jusque là, donc voilà. Pour vous dire pendant les cours j'étais comme ça, j'ai fait monsieur vous me voyez pas, je suis en train de tryhard Naruto. C'est assez drôle. Donc, allez, c'est parti. J'espère que vous entendrez le son assez fort. Allez. Ah, là, on prend une petite Sakura quand même, parce que... Ok, ok, ok. Ah oui, Sasuke... Oh, putain. Eh oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait des invocations comme ça, ça va pas, non. Et autant vous dire, j'aurais fait les invocations Jiraiya tout le bordel. Bon, voilà. Fallait qu'elle arrive, forcément. Je ne pouvais pas l'esquiver, ça faisait. Bah, c'est mon nouveau compte et j'ai eu en fait tous les persos dessus. Donc, forcément, j'étais obligé de tomber sur cette multi-invocation un peu fakée. Après, vous allez me dire, bon, Fufu, c'est un peu normal, c'est ta jap, elle a toujours été mauvaise. Voilà, peu importe le compte jap que tu prends. La preuve d'ailleurs. Mais bon, j'espère que là, on va avoir un peu mieux sur ce compte parce que la dernière, c'était vraiment horrible. Allez, s'il vous plaît. Bien évidemment, on a toujours Miku avec nous. Miku qui est toujours là pour nos invocations aujourd'hui. Ok, Sasuke, tu me dégotes du lourd. Tu me sors, allez, 2 ou 3 gold avec 2 bons persos. Ça rembourse la première ratée. Donc là, ça serait ouf. Une seule. On est déçus. Hein. Là, imaginez, c'est une belle fake. Allez, la bonne petite blast. Vas-y, casse-toi, c'est Buki, non? Un numéro dans le genre. Ouais, je sais plus, c'est en jap, je sais pas lire. Vas-y, j'en ai marre, ça, par contre, des nouveaux persos. C'est-à-dire que là, il va falloir que je tryhard pour la semaine prochaine. Putain, ça va être ouf. C'est quoi, ça? Mais quel est ce Pokémon? Même Rondoudou est plus intéressant. Allez, la dernière. Priez pour moi. S'il vous plaît. Alors d'ailleurs, j'en profite. Bon, ok, je reviens. Re tout le monde. Alors, on va lancer la toute dernière. On prie pour du bon lourd sa mère. Alors par contre, voilà, j'en profite pendant l'invocation, parce que c'est surtout pendant ces moments-là que vous devez regarder. Qu'il y a le nouveau Discord qu'il faut que je mette dans la description, qu'il faut que je remette ou que je fasse en sorte que ça se mette automatiquement dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est vachement fun. Putain. Vas-y, bon, de toute façon, on est obligé d'avoir une bonne. Hein. On est obligé d'avoir un truc. Mais j'ai trop peur. Voilà. Vas-y, mais m'en donne pas qu'un seul, s'il te plaît. Sors-moi la multi de l'espoir, genre la multi qui va changer toute ma vie. S'il te plaît, Sasuke. 2. C'est mieux qu'une. Tu me sors. Allez. Un Pain, une Tsunade, je sais pas, ce que tu veux, un Obito, un Madara, je suis refait de ma vie.
Naruto, qu'est-ce que tu branles là? Ok, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Très bon personnage aussi, hein, franchement, je ne renie pas KCM. Allez, la dernière, c'est Pain, juste pour le plaisir de cette vidéo et parce que c'est le personnage du mois. Pain! Miku! Oui! Oui! Yes! Ah oui, non, en fait, ça va, ma jap, elle est trop bien, ma jap. Allez, franchement. Le Pain à la troisième ulti. Oui! Alors, je me demande si c'était pas le garanti par hasard. J'ai beaucoup de chat alors. Si c'est le personnage du garanti, mais là, très content. Donc voilà, c'était la petite vidéo invocation Blazing Fest sur Pain. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Là, je vais m'empresser de faire la dernière demain, sûrement, ou dans la journée. Je vous mettrai peut-être un screen sur Twitter si je chope un gros truc bien lourd avec la 25. On sait jamais. Et pour ce qui est de l'analyse de Pain, je vous le ferai plus tard. Bon, malheureusement, il y en a forcément plein d'autres qui l'ont déjà sorti, l'analyse de Pain. Très bon perso, de toute façon. Hein. Donc voilà, forcément, je serais peut-être un peu moins. Mais voilà, j'avais profité de faire ma petite pub sur Twitter, sur cette vidéo, parce que je sais que vous regardez énormément, enfin, vous êtes sur notre chaîne, en tout cas avec Heroes, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos Blazing Fest, tout ça. Donc voilà, j'en profite pour vous le dire là, parce que c'est sûrement la vidéo où vous aurez le plus de visibilité. Donc voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Tchuss tout le monde,